Voilà, on est avec le capitaine de Virton, Guy Blaise, après cette défaite, la deuxième de la saison, encore contre la Louvière. Bah, Guy, est-ce que pour toi, les Loups ont pris un petit ascendant moral sur Virton après ce match ? Moral, peut-être parce qu'ils gagnent contre un concurrent direct, mais maintenant on est toujours devant. Donc si on reste régulier, comme après la défaite, la première défaite contre la Louvière, où on a enchaîné une dizaine de matchs. On a fait des victoires et on a engrangé pas mal de points. Donc si on peut, moi ça me convient, on fait aujourd'hui et on enchaîne derrière les 10 matchs comme ça, on reste toujours devant. Voilà. Mais bon, ça c'est le foot et aujourd'hui, ah oui, un petit goût amer, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il a manqué à Virton pour toi pour faire mal à cette équipe de la Louvière ? Un peu plus la maîtrise du ballon, même si en deuxième mi-temps on a eu la maîtrise et c'est au moment où on était le mieux où il marque ce but un peu pas chanceux, mais bon. Une des seules occasions sous les centres, ils ont été dangereux sous les centres. Et donc c'est la beauté du football et ils ont gagné aujourd'hui la bataille, mais la guerre n'est pas encore terminée. Voilà, la suite, il reste encore une dizaine de matchs et le plus important sera le prochain. Impératif d'enchaîner directement avec une victoire à la maison. Oui, c'est sûr, il faut maintenant enchaîner derrière les matchs. Les prochains matchs, il y en a à Virton, on en a trois à Virton, donc ça va être délicat. Mais je pense qu'on a les armes qu'il faut et le collectif pour. Ok, merci Guy.